Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau stream sur Modécube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon jeudi et que vous êtes prêts pour ce stream où nous allons continuer notre wagon serre. Salut Mickaël, salut Marinves, salut Sébastien, salut Charivari, salut Baldrina et bienvenue à vous tous. Installez-vous. Bon, comme le petit bout avait un petit peu de mal à s'endormir et que j'ai eu 10 minutes à peu près sur le PC avant de prendre le stream, j'ai poursuivi ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai fait la symétrie de la serre et vraiment, j'avais pas eu le temps du tout de lancer Modécube depuis mardi. Hier, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, en revoyant ce qu'on a fait, je suis très content. Voilà, donc je trouve que ça rend bien. Quand on est à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une petite serre. Donc je trouve ça sympa, vraiment. Je trouve ça très... j'ai pas mis la couleur. Je vais la mettre... Hop. Mais non. Hop, je fais un bloc. C'est vrai que c'est beau. Bah merci, merci beaucoup. Non, franchement, je suis très content. Hop. Alors il y a pas mal de frame block. Hein. Voilà. C'est pas très économique en frame block. Voilà. Mais franchement c'est tellement joli qu'on va quand même voilà, se l'autoriser. Hein. On n'est pas dans une zone où on a beaucoup de frame block non plus. Donc je pense que ça devrait passer même sur le serveur. Hein. On va croiser les doigts pour que ça passe. Et franchement moi je suis très content. Je trouve que la forme est sympa. Ça ressemble à un wagon. Ça fait un peu une capsule. Et je trouve ça pas mal et du coup on va garder ce design. Et donc ce soir ce qui me reste à faire c'est ce côté là, sachant qu'on va faire une symétrie. Les wagons en général c'est assez symétrique hein. Je ne sais pas pour les bouquins mais dans les BD des fermes fixes sont autorisées, c'est d'ailleurs dans l'une d'elles que Léonard trouve refuge pendant un moment. Je me souviens plus, mais en tout cas moi j'avais envie de faire des fermes sur wagon, mais t'as peut-être raison, hein. Peut-être que des fermes fixes sont autorisées, de toute façon il y a forcément des choses fixes, genre la serre, forcément hein, tu peux pas faire pousser des arbres sur des wagons, ça, y a les racines ça passe pas. Hein. Mais par contre des cultures hors sol, là pour le coup ça peut passer. Hein. On pourrait même imaginer des cultures un peu comme dans, vous savez, dans les vaisseaux spatiaux, hein, des cultures à ce niveau-là. Hein. On pourrait tout à fait imaginer mettre des bacs ici en fait. En vrai c'est une bonne idée. Je viens juste d'y penser. Ça pourrait être sympa, on va voir. Mais déjà, on va faire le symétrique de ça. Parce que ce soir, j'aimerais faire le symétrique assez rapidement pour repasser sur le serveur et installer les rails, installer peut-être du ballast sous les voies pour ensuite commencer à préparer le schématique en fait et préparer le canon. Et ça, ça va nous demander du temps, je pense, en termes de matériaux. Je pense pas qu'on aura le temps de tout faire ce soir. Donc si vous pouvez faire ça ce soir et dimanche, ce serait cool. Donc finissons ce qu'on a commencé, finissons la symétrie, si vous le voulez bien. Je crois que c'est un truc comme ça de l'autre côté. Alors par contre, vous savez ce que je vais faire, je vais prendre un screenshot, ce sera plus simple, plutôt que faire des allers-retours. Hop, j'ouvre le screenshot, zoom. Et tu fais bien Baldrida de parler du planning, on parle pas assez souvent du planning. Donc planning, le voici, le voilà. Donc nous avons rendez-vous en... Ah non c'est pas du tout comme ça.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Si c'est ça. Hop. Donc, demain, c'est cool. Et oui, c'est Zelda. Demain, c'est Zelda Breath of the Wild. Samedi, c'est Astro Terre. J'ai hâte de bosser sur l'intelligence artificielle des PNJ. Et dimanche, Holy Cube, c'est pour ça que je dis... Holy Cube, Modé Cube, c'est pour ça que je disais que dimanche, nous allions prolonger... Hop, ce que nous sommes en train de faire. Voilà, tout simplement. La musique, on dirait une musique de Batman, quoi. Salut Slashy. Ok, Mridvest, mais pas de soucis, pas de soucis, profite de tes vendredis. Hop. Bon, j'ai pris un screenshot, mais je vois pas bien ce que j'ai pris, donc je suis obligé d'y aller. Ok, donc c'est à nouveau ça. Ok, sauf que... j'ai besoin de chute. Chute dans le peloton. Les chutes, j'en ai là. Parce qu'on a des chutes... est-ce que c'est chute... Comment c'est foutu? Bon, en fait, je vois rien sur mon screenshot. D'où le problème des screenshots. Hein. C'est comme ça, je crois, en vrai. Ah. Ah oui, on avait dit qu'on mettrait des drones, des choses comme ça de ce côté-ci. Tac, tac, tac. Non, attendez, j'ai fait une... Attendez... Ah non, c'est... Je me suis trompé. Non, d'ailleurs, ici, il manque ça. Salut à Joachim. Si, je pouvais le faire avec le canon. Mais j'ai... C'est pas que j'ai eu la flemme. Mais presque. Et puis surtout, en fait, ce qui m'embête dans le fait de le faire avec le canon, c'est que ça va me créer un schématique que je pourrais supprimer après, mais que j'avais la flemme de supprimer. Donc oui, je pourrais le faire avec le canon. Mais voilà, je le fais à la main. Et puis surtout, il y a des trucs que je veux changer un petit peu. Donc voilà... C'est pour ça, voilà. Alors. Donc après. Peut-être un bloc plein en vrai. Oui, c'est un bloc plein. C'est un bloc plein. Non, mais ça va aller assez vite. Hein. Ça va aller assez vite. Là, par contre, je sais plus ce qu'il y a. Vraiment bien ce petit bloc là. Donc je fais vraiment en symétrie, hein. Je pense qu'il faut faire ça. Non. Ah non. Mes souvenirs étaient erronés.
Hâte. Ça va aller vite. Don't worry. Be happy. Hop, une petite... C'est qui que tu essaies de convaincre, nous ou toi? Un peu des deux. Un peu des deux, évidemment. Hop. Don't worry, be happy. Ouais, je sais pas. Ici, en suite, on a... on a celui-là. Celui-là. Il est où? Il est là. Ensuite, on a des cagelettes rouges. Comme ça, hein. Yes. Après, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr que ce soit ça. Voilà. Alors après, il y a des trucs un peu biscornus là. Il y a des trucs un peu biscornus. Je sais pas si c'est pareil. Mais je crois que si. Hein. Je crois que c'est comme ça. Alors ici, il faut qu'on fasse ça.
On est bien. On est très bien. Alors, là je mets ça, mais je suis pas sûr de garder ça. Je pense qu'on va mettre autre chose après. Mais au moins ça va me servir de support pour les vitres. Ah non, là il n'y a pas ça. Non, les vitres, s'il vous plaît, c'est ça. Yes. Donc là, on va peut-être enlever ça. Très bien, donc là ça on a presque fini. Il manque juste ça. Oh, c'est nice. Très nice. Donc il nous faut faire la porte. Donc en vrai, j'avais dit que je ferais peut-être pas des portes au même endroit. Mais en vrai, on va faire des portes au même endroit. On va privilégier la symétrie. Du coup, dans le récit, ce type de wagon s'est tiré poussé par plusieurs locaux. Il y a des locaux démesurés comme le wagon. Il y a des locaux démesurés comme le wagon. Mais il peut y avoir aussi des locaux. En fait, ça là, par rapport au récit, hein, de la Compagnie des Glaces. C'est un petit wagon. Hein. Il y a des wagons qui sont sur 5, 6, 7, 8 voies. Hein. Là, on n'est que sur 3 voies. Et encore 3 voies très serrées. Hein. J'ai pas fait... En fait, au départ, j'avais voulu faire comme ça. Et voilà. Donc, il y a des locaux démesurés. Je peux remontrer un screenshot. Tu vas voir. Il y a un screenshot d'une des BD, mais qui correspond bien au récit, en fait. Je peux montrer ça. Attends, je te retrouve ça. Je l'avais sorti quand on a fait le premier stream sur ce wagon serre. Hop. Bon, je te montre ça. Alors, là on voit. Regarde, en bas à gauche ici, il y a, je pense, un train qui est sur une voie. Et ça là, ce sont des trains. Tu vois là, et ce sont des trains sur des... Alors là, on a l'impression qu'il y a des grosses voies. Mais par exemple, ici, on voit bien que ces locaux là, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies, tu vois. C'est là, 1, 2, 3, 4, 5 voies. Et là, encore plus, tu vois. T'as vu la taille des trains et des locaux, quoi. Ouais, la loco pirate, je ne dois pas avoir de screenshot de la loco pirate, mais... sur la BD, j'ai pas pris la loco pirate, mais tu vois là, cette frégate là, elle est sur 3 voies. 1, 2, 3. Et elle est très large. Alors que là, sur le côté, il y a des petits trains. Beaucoup plus petits en fait. Là, on voit pas trop là. Bon, après, c'est d'autres. Mais en tout cas, ouais, sur.
Bah, en fait, c'est plus ancien que le transpersonnage. Alors, pas la BD. Pas la BD, mais par contre, le récit de la Compagnie des Glaces, c'est plus ancien que le transpersonnage. Tout à fait. Non, c'est vraiment cool, hein. Et les possibilités offertes par le mode pack permettent de faire des choses vraiment, vraiment très stylées. Hein. Moi, je kiffe. Transpersonnage en VO, c'est une BD franco-belge. Ah, d'accord. Je connais pas, j'ai pas vu le film. Hein. Il paraît qu'il est pas extraordinaire, extraordinaire. Hein. Après, c'est... What? Je fais que du caca. Ah. Je vais aller vite. Et du coup, je me trompe. Après. Ah non, c'est compliqué à trouver, hein. C'est très compliqué à trouver, ouais. Ouais. Oui. Oui. C'est très compliqué à trouver. Moi, j'ai acheté les BD. Alors, les BD, elles sont introuvables, je crois. Hein. Je me demande. Hein. Moi, j'ai acheté les BD au fur et à mesure qu'elles sortaient dans les années 2000. Donc, je les ai toutes. Et je les garde précieusement. J'ai acheté tous les romans. De la deuxième génération, au fur et à mesure où ils sortaient, pareil dans les années 2000, donc je les ai encore dans un état de conservation pas tip top, hein, il faut le reconnaître, mais je les ai encore. Et par contre, les romans originaux de la première génération, on va dire, je les ai lus parce que je les ai empruntés dans la bibliothèque de ma ville, donc je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Sauf en version numérique, en e-book. Ah, est-ce que c'est comme ça là-haut? Est-ce qu'il y a ce petit décrochage? Ouais, bon bah c'est bon, on a fini. On a fini. Donc, par contre ça c'est moche. Donc on va le virer. Ils sont moches ces plans là. Je sais pas lesquels on mettra. À la limite, ce que je trouvais le oh, je suis avisé. Le moins moche, c'était ça. C'était le blé à la limite. Hop. Ah, j'ai. Oui, ici, il n'y a pas de lumière, mais c'est normal. Là, on a ça, on a ça. Donc, là, ici, j'ai mis les ordinateurs pour le contrôle. Je voulais mettre de ce côté-ci plutôt des trucs de create. Genre,
Genre, on avait dit ça, c'est pas mal, des harvesters. Ça, éventuellement. Et puis, ça, peut-être. Donc, je trouvais que ça faisait un peu. Vous voyez, ça faisait un peu comme stylon. Alors là, j'aurais bien aimé en mettre ici. Mais ça veut pas le. Comme s'il y avait un petit peu des drones, des choses comme ça. Donc est-ce que... Est-ce qu'on en met comme ça? Ça peut être pas mal, hein? Salut Augustin. Too much les trucs create. N'ai lu que les BD slashy mais c'est un superbe univers. Les romans sont... Enfin, ils sont pas tous égaux. C'est vrai qu'il y en a des plus ou moins bien. Mais globalement, sur l'ensemble de la... Ah putain, j'ai tout pété. Sur l'ensemble de la... De la saga, on va dire. C'est quand même ma saga de science-fiction presque préférée, quoi. Hein. En tout cas, de roman. Ouais. Bon, alors j'en mets pas autant, j'en mets peut-être moins. Alors, juste comme ça. Je voudrais en mettre de ça, là. Ou alors j'en mets en hauteur. Oh non. Je peux pas le mettre là. Vous trouvez que ça faisait trop ce que j'avais fait là, la rangée, là? Parce que je voudrais mettre des outils, des choses comme ça, mais je sais pas trop quoi mettre. Rope poulet, c'est peut-être pas mal ça. Est-ce que ça fait un peu machine? Ouais, c'est pas mal ça, de mettre un petit peu de matos comme ça. Non, vous trouvez pas? Comme s'il y avait des tondeuses, des trucs comme ça, quoi. En plus, comme c'est des machines de create, ça va, c'est pas trop compliqué à faire non plus, quoi. Ça sert à quoi en 12 heures? Ah, une crank. Ça peut être pas mal, une petite crank. Oui, mais pas la grosse ligne. Ok, d'accord, je... Ok. Voilà, des petits trucs comme ça, c'est pas mal, ça mange pas de pain. Après, Slashy, vraiment, si tu cherches, tu peux les trouver en e-book, hein, et en solution légale. Et... Voilà. Et plus, si affinité. Mais tu peux les trouver, hein, si tu cherches, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme machine un peu de create qui pourrait faire bien? C'est déjà pas mal, hein, mais... On pourrait mettre une petite valve supplémentaire quelque part. Genre là. Je sais pas, ça fait peut-être un peu bizarre. Genre là. Voilà. Est-ce qu'après on met... Ah oh, ouais, là il y a des trucs. Display board. Ah non. Ah, quoique. On pourrait mettre... Ah ouais! Regardez là. Ah, c'est gros. Merde. Ah. Et si on en met un là? Ouais, mais non, parce que c'est trop haut. Et puis il faudrait écrire des choses par-dessus, ce serait un peu compliqué. Ouais, non, mais vraiment, e-book, tu peux trouver, hein. Ah, peut-être comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, pour écrire des trucs, après, on est obligé de... Fais voir, il doit y avoir une explication.
Donc c'est des alternatives aux panneaux. Ça requiert de tournicoter. Ah, text can be displayed using name tag. Il faut forcément que ça roule. Or through the use of display link. Genre, si je prends un name tag, j'en ai des name tags en plus. Merde, comment c'est étiquette peut-être. Étiquette. Donc, il me faut une enclume. Tac. Donc, si je mets par exemple température. Correct. Et que je mets ça. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de... Non. C'est parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas d'alimentation, c'est pour ça. Ah là, s'il faut que j'alimente, ça va être compliqué, là. Je vais essayer juste pour voir si le problème vient de là. Il vient de là, il vient du blues. Avec un create moteur, juste pour voir si ça marche. Tu sais que tu m'agaces un petit peu, moteur à la noix là. Je veux juste tester. Ah, il faut plus de vitesse. D'accord, donc il faut vraiment de la vitesse, quoi. 32 mini. Merci, Alps. Yo. Yo, yo, yo. Ah, j'ai perdu mon ticket. Bon, de toute façon, du coup, non, parce que je vais pas mettre de vitesse. Est-ce qu'on met quand même un panel comme ça, style un jour, peut-être, on verra ça peut-être directement en survie. Hop. Non, ça je peux pas le mettre du coup. On peut stocker quand même des petites marchandises comme ça. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait mettre? La scie, j'y tiens pas trop. Team Engine. Bon, j'ai pas mis de mechanical fluid, de trucs comme ça. Pourrait mettre. Bah oui, si, faudrait que je mette ça. Split tank. Peut-être que je mette ça pour mettre de l'eau dedans. Pour avoir une petite réserve d'eau. C'est pas mal ça. Nixie tube pour du texte. De la redstone seulement. Create using name tag editing with an anvil. Custom text can be displayed. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? C'est extrêmement sympa. C'est très chouette. À voir, on verra ça directement en survie. Faire l'enclume. Bon, le blé, je vais le virer. Parce que sinon, là, je vais mettre que de la terre. Parce que sinon, le canon de create, il va me faire du caca mou. Il va me dire nanana, pas les bons blocs. Non, je mets que de la terre. Peut mettre du colorant dessus comme un panneau. Ok. Ouais, non, ça, faut que j'essaye. Ça peut être sympa. Déjà 22h.
Non mais... Allô quoi. Ah non, j'aime beaucoup, hein. C'est très sympa. Hop. Et où ? Donc je sais pas si t'as vu Alps d'extérieur ce que ça donne, donc on est dans le RP de la Compagnie des Glaces, et donc même les serres sont sur rail. C'est purement RP parce que ça ne roulera jamais, on ne peut pas faire rouler dans Create des wagons comme ça. Hop, t'as vu le récap. Nice. Et du coup là je viens juste de finir la symétrie, je trouve ça cool. Je vais mettre quand même ça de l'autre côté, même si je vais pas mettre de fumée. Histoire qu'il n'y ait pas de fumée partout. Est-ce qu'on met quand même une cheminée un poil plus grande? Ce serait peut-être pas du luxe d'avoir une cheminée plus grande. Ouais, ouais c'est mieux. Donc c'est purement RP. Mais je kiffe, j'adore. J'adore. Alors j'ai une question. On va pouvoir tester ça. Quand je vais créer ça avec Create, il faut absolument que j'ai mis les train stations en fait. Parce que si je casse la train station, tiens, on va faire un test. Ah, je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Qu'est-ce qui se passe si je casse une train station? Ça me pète tout. Comme les trains sont pas assemblés. Je peux faire le test ici. Ah non, ça pète rien. Ah, ça ne pète rien. Ah, mais c'est génial ça. Donc en fait, là, je peux les casser. Pas trop bien. Trop bien. Donc là, les trains ne sont pas assemblés du tout, parce que de toute façon, ça ne marchera jamais. Mais par contre, c'est juste pour faire joli. On a des bogies pour faire juste joli, quoi. Excellent. Bon, les zoups, on crée notre schématique, tout ça, tout ça. Alors... Après j'ai quand même une interrogation, est-ce que on ferait pas un truc comme ça? On va peut-être faire un truc comme ça. Peut-être faire un truc comme ça plutôt ici pour... Ouais mais non parce que... En fait, je me dis que si jamais c'est tiré par une petite loco, que je fais une petite loco, il faudrait quand même qu'il y ait ces trucs-là à la bonne hauteur. Donc genre, peut-être que quand même ici, il y ait ça. Ou comme ça, quoi. Ouais, peut-être rajouter ça. Donc en fait, il faudrait casser ça. Et à la limite, on se prend pas le chou. On met des flint blocs. Comme ceci. Voilà, comme ça, en quelque sorte, on a la possibilité de le tirer avec des grosses locaux, ou avec des petites, si on n'est pas pressé. Il y a quand même un système de... voilà. De traction, à part des petites. Yes. Allez, je valide. Schématique. Schématique and quill. Hop. Donc...
On va se mettre ici. Non. On va se mettre ici. On est bien là, on est très bien. Et donc là, on a wagon serre 01. Ça y est, on schématique et schématisé. Du coup, on va aller sur le survie. Ah, je suis content. Il vous plaît, j'espère. Moi, il me plaît beaucoup. Allez. Ça se trouve, ça va faire trop gros. Il va falloir que j'agrandisse la station pour caser ces trucs-là. C'est même très probable. C'est même très probable. Merci Beldriday. Bonsoir et salut Bat. Comment ça va? Alors que je vérifie. Donc mon espace il est là. Donc ici on a une voie de contournement. Donc celle-là faut que je la laisse libre pour des trains. Donc en fait je peux utiliser ça. J'ai vraiment pas beaucoup de place en fait. Parce que là en gros je peux utiliser que ça parce que là j'aurais pas la place en fait. Et si je peux pas utiliser ça, ouais donc fou. Ouais, ça fait trop léger. J'ai vraiment pas cette place. Parce que si j'en encombre cette voie là. Bonne nuit Emrinves. Parce que si je fais ça. Ouais. J'ai vraiment pas cette place. Je pense qu'il va falloir qu'on s'agrandisse par là. Je pense. Et en fait, ici on va mettre une fausse porte. Qui aurait servi par exemple à installer la base autrefois en fait, qui aurait servi pour transporter les premiers wagons en fait. Ouais, va falloir qu'on décale, hein, je pense, va falloir qu'on se décale, va falloir qu'on agrandisse. Déjà on peut préparer ici. Déjà on peut préparer là.
Alors par contre, ce qui est un peu relou, ah ouais, ce qui est très relou même, c'est que pour l'instant, j'ai pas de toit. Ça va me foutre de la neige partout. Bon, tant pis. De toute façon, pour l'instant, je peux vraiment pas commencer le toit de la station. Non, mes rails. Je peux vraiment pas commencer le toit de la station, là. Ça, c'est pas possible. Mes rails. Donc tant pis, je suis obligé de faire avec, avec la neige. Le reste, on va aller le ranger. Ah, j'ai plein de trucs sur moi aussi. Qu'on va reposer. Ça, on n'en aura pas besoin. Bon, faudra que je trie après. Et des trucs qu'on n'en a pas besoin. Mais bon, on va aller ranger ça. Pour aller chercher du ballast. Et après, on va mettre des rails. Une fois qu'on aura mis les rails, on testera le schématique pour voir la place que ça prend. Et on commencera à essayer de remplir le coffre. Peut-être mettre un coffre de l'autre côté. Bon, un toit temporaire en dirt, ça va être moche. Hein. Mais bon, ce serait pas mal. Hein, mais... Enfin, ça serait. Voilà. Mais... À la limite, un toit temporaire en vitre, ça pourrait être plus. Plus tentable, mais bon. Alors, rangeons tout mon bazar. Beaucoup de ballast, hein.
Comment on fait le ballast? C'est avec du... Mince, c'est peut-être avec du gravier, pas avec du sable. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais voir la recette, oui, c'est avec du sable. Ok. C'est avec du gravier, je veux dire. Le gravier. On a un petit peu. Hein. Je pense que là j'en ai pas mal. Allez, on va aller mettre du gravier. Du ballast plutôt. Je crois pas que Z y soit repassé. Hein. Je crois que Z y... Je crois que Z y laisse tomber sur moi des cubes. J'ai vu qu'il avait lancé une petite survie sur Create et bon, il a bien raison de s'amuser sur Create. Ah non, je dis des bêtises, il a continué quand même. Ah, si, il a continué un petit peu quand même. Et si, je suis mauvaise langue. Il a continué. Il a fait son petit train là. Petit train de la SNCF. Sympa. Et il a continué la serre. Mais ça demande pas mal de. Et du coup il met du verre noir, il met pas du verre. Ouais, il met pas du verre comme ça coûte trop cher. Je pense que c'est ce qu'il se dit. Ok. Cool. Bon c'est bien, c'est cool. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il avait entrepris de faire une automatisation des voies et c'était vraiment sympa, mais... ouais, je sais pas, c'est vrai que peut-être que... Non, il neige, évidemment, purée. Ah j'ai pas pris de rail, bon c'est pas grave, on les remettra après. Ah putain, fait chier. De toute façon, on n'y coupera pas la neige. Hein. Le problème, c'est que ça va. En fait, non, mais ça me. C'est vrai, ouais, non, mais je vais être obligé de foutre un toit en dirt. Hein, c'est pas possible. Hein. Parce que là, ça va me foutre de la neige partout. Ça va être horriblement chiant. Parce qu'en plus, ça va foutre de la neige là, dans les rails et tout. C'est méga chiant à enlever. Vous voyez le problème. Ah, sur les quais, là. Un toit en neige. Ouais, ouais. J'ai pas tant de neige que ça, mais... Bon. On va être obligé de faire un toit provisoire. Faire chier. On le fait en quoi alors? On va le faire peut-être en. Ouais, aussi j'ai une... On le fait quoi? On le fait en vert pour laisser passer la lumière quand même, que ça fasse pas une ombre dégueulasse. On va faire ça. Hein.
trop le choix. T'as raison, Luska. Tu as raison. Alors, il nous faut des dalles de verre. Ça n'existe pas les dalles de verre? Que les trappes de verre? Ah, parce que ça fait de l'ombre hein, quand il y a du... Ça laisse pas passer la lumière? Je m'en rends pas compte parce que là il y a de la lumière. Ouais, ça doit sombrer quand même. Qu'est-ce qu'on a? Sinon, faut que je mette des frames. 10 vitres. Je peux faire ça éventuellement. C'est un peu relou à mettre, mais... Ça me coûte 3 manches là. Quoi ça, c'est des nuages? Ah ouais, je savais même pas que les nuages ils étaient activés. Ça va être tellement relou à enlever.
C'est pas mal. Ça va aller assez vite à mettre comme ça. Faut pas que je tombe, au fait, parce que pas d'élytra. Il neige plus. Vous avez pas une wand pour aller plus vite? Peut-être, mais j'ai pas fait. Dans le nuage. Ça me fait pas. J'ai pas cherché, mais sûrement qu'il y a des wands. Bah voilà, il y en a. Wand of Symmetry. Wand of the Forest. Wand of the. Soul Wand. Ouais. Salut Michel Craig. Merci beaucoup Michel Craig, c'est très gentil ce petit texte, avec des belles rimes, très flatteur, merci beaucoup. Vous n'avez pas les bonnes wands, ok. Bonsoir. Dis donc pour un premier message sur le chat, tu mets la barre haute. Ça va être trop chiant à enlever. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et voilà, Baldridae en PLS, devant tant de poétesses. N'importe quoi. En PLS, devant tant de... Wow, j'ai mis un bloc où il fallait pas. Un bloc. Je trouve pas de rime en S. En tout cas, Baldridae est en PLS, il a peur de commettre des maladresses. Si sa plume au poème s'exerce. Ça va être compliqué si pour la fin du stream en rime il faut parler. Ah pardon LG, bonsoir à toi LG, ça tombe bien, je suis en train de construire un toit.
rime avec fesses. Balridae s'est cassé les fesses. Ça aurait pu passer. Mais bon, peut-être que on n'est pas obligé de faire des rimes sans cesse. N'empêche que ça pourrait être un défi de la chaîne Twitch que de faire des rimes le plus souvent possible. Mais alors, bien compliqué ce serait. Alors j'imagine même pas s'il fallait parler en vers. Ouh là là, quelle galère. À compter les pieds, probablement on s'y perdrait. Un bien étrange pari que de compter toutes les rimes pour ce parti pris. Non, ça se voit pas sur la map. Et bah, ça c'est cool. Que ça ne se voit pas. Pas vu, pas pris. Presque. J'espère que ça marche, hein. J'espère que ça va bien empêcher la neige. Hein. Aïe aïe aïe. En tout cas, Michel Craig, j'ai l'impression que tu me connais et que tu suis peut-être soit mes vidéos, soit mes streams depuis quelques temps. Que nous vaut le plaisir de te voir passer sur le ce stream et dans ce chat ce soir. Qu'est-ce qui te décide à franchir le pas et à mettre un petit message plutôt que de rester en lurk? Ça, mais après, tu n'es pas obligé de répondre. Hein, Tu fais bien ce que tu veux, mais en tout cas, c'est très agréable. Salut Delta. Se révèle en grand jour, oui, au grand jour. Puis je me présentais dans un poème surréaliste. Si tu veux, ouais. Après je suis pas spécialiste hein, de poésie, donc j'espère que je ne vais pas paraître comment dire, désagréable ou mal intentionné si je lis mal ton poème.
Jill Craig, un homme en quête de paix, un guerrier qui porte la douleur de son passé, continue à se battre fier et debout, à gardant toujours près de lui ses souvenirs chers. L'arôme de la chicha l'emmène dans le temps comme la fumée du cadran solaire de sa vie. Chicha la banane, mon amour sans faille. Avec toi, je me sens en paix, sans stress ni souci, que les nuages en deviennent azur, les collines enneigées de cette poudre blanche chaque matin éveillée, mon pif disparaît. Ok. Tombe bien ce soir, moi aussi je suis dans les nuages. Ça se trouve, on aurait passé moins de temps à déneiger. Mais bon, non, j'aurais pesté très souvent par la neige qui s'accumule, alors que là, pour le coup, ce que je vais construire, c'est dans la station, donc il ne doit pas y avoir de neige, quoi. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Je suis un féru suiveur des surréalistes, pourquoi je suis allé voir le musée dédié aux œuvres de René Magritte. Je pensais d'aller voir ce musée à l'occasion. Où se trouve-t-il ce musée sur René Magritte, LG? J'avoue. Moi, je suis pas extrêmement sensible à la poésie d'un Thor, parce que c'est l'art des mots, donc c'est vraiment bien. Mais ouais, j'avoue, bon, voilà, ça me passe un petit peu au-dessus, mais encore une fois, c'est moi qui ne suis pas assez réceptif, hein, parce que je pense qu'il y a, voilà, c'est vraiment un art. Hop. On va éviter de tomber, encore une fois, si je tombe, je meurs, donc on va aller tout doucement vers notre pile de dirt pour redescendre. En Belgique et à Bruxelles, ok. Ce qui est cool, c'est qu'on le voit pas, mais bon.
Est-ce que ce sera assez grand? C'est un début, disons. Moi, je viens du pays où on trouve une jolie chaîne de 80 volcans inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu viens d'Italie? Non. 80 volcans inscrits, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Le Puy de Dôme. Oui, d'accord, un pays. Moi, je pensais vraiment à un pays, tu vois. Ok. Merci pour ton follow, Michel. D'accord, un pays, une région, ok. D'accord, ça m'étonnait. Je me disais, quand même. Donc avec tout ce vert, je faisais simplement un parapluie. Et ce qui est cool, c'est que mon parapluie ne se voit pas. Et dès qu'il va neiger, on va pouvoir tester si mon parapluie est efficace. J'espère qu'il l'est. Parce qu'en fait, là, comme je vais mettre des blocs, j'ai pas envie qu'il y ait de la neige dessus, en fait. Un gentil creeper, ça va. Allez, on va aller jusque là, ça devrait suffire pour un début. Pas sûr que j'ai pris assez de ballast. Et puis en plus je pense que là je vais plus loin que mon dôme de verre, donc quand il va neiger, il y a des endroits qui seront recouverts, mais bon. Cool, c'est que ça ne se voit pas. En plus, ça se trouve, j'en mets vraiment trop. Bon, c'est pas grave. On va arrêter là. On va faire l'autre côté. Ça, je préfère le faire avant parce que vous imaginez que quand j'aurai mis le wagon serre, ce sera compliqué de mettre ça en dessous.
Mais si c'est en permanence recouvert par la neige, ça va me gonfler. De tout refaire à chaque fois. Je ne crois pas que la perfection n'existe ici. C'est pour cela que les actions sont destinées à se compléter mutuellement. Elles se repoussent selon des lois inusables, telle façon qu'elles deviennent complémentaires. Citation philosophique. À vous de trouver de qui elle provient. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, Michel, mais. Bonne nuit à toi, merci beaucoup Michel d'être passé. À bientôt. Bonne nuit, Balredé. Ok. Donc là, je pense que ça, je vais le casser. Ce virage-là, en fait. Pour garder que de la ligne droite en fait. Ah, faut que je mange. Et comme je vous disais, faire comme s'il y avait une porte RP. Non mais ça va le creeper, je sais que t'es mignon, que t'exploses pas toi, mais quand même.
Alors, question. C'est bon, on peut faire traverser comme ça. Voilà, et du coup on pourrait aller vers une ancienne porte invisible, un grand truc. Enfin, invisible, non, mais une grande porte verrouillée qui serait la justification RP que autrefois là il y avait peut-être des rails et qu'on s'en est servi pour charger les gros gros trucs dans la station. Ça c'est que pour les petits trains de marchandises, et, mais les gros gros, ils passaient par la grande porte et on ouvrait la station en grand en fait. Bon, allons chercher d'autres rails. Et ensuite, on va essayer de placer le schématique, on va voir ce que ça donne. Un truc que j'aimerais bien voir, c'est... C'est si 100 mètres de train station, ça me met bien les bougies comme il faut. Avec le canon. Après, pourrait faire limite une méga porte avec Crate quoi. Avec Crate, on n'a pas tant de limitations que ça, hein. C'est ça qui est bien. Je vais regarder juste un stack. Là, le verre, on va le reposer parce que j'en ai pas besoin de tant que ça. Le béton aussi. Alors, rail. Ah, j'en ai pas mal, ça devrait suffire. Après, rien n'empêche de faire des faux aiguillages en fait. Et genre comme ça.
C'est bien. Comment on fait pour... Comment on fait pour... Comment on fait pour annuler? Voilà. Et je pense qu'en vrai, ça je pourrais même les enlever ceux-là pour pouvoir aller tout droit plus longtemps en fait. Bon, déjà, voyons ce que ça donne avec le schématique. Oh my god. C'est énorme. Alors. On se rend bien compte que c'est énorme. On se rend compte que c'est énorme. Et si j'en mets deux côte à côte? Ah, ça a enlevé l'autre. Ah mince. On ne voit plus. On ne voit pas l'autre en même temps. Je pense que je peux en mettre deux.
Ouais, je crois que je suis pas mal. Bonne nuit, Alger. Bon voyage dans le Lot. Merci beaucoup. Ah ouais, et puis là, ça passe juste là. En fait, il n'y a aucun train qui pourrait passer là, en fait. Là, le virage, là, ça va coincer là. Donc en fait ici je pense qu'il va falloir qu'on change là. Là il va falloir qu'on gagne un peu de place en faisant le virage plus par là. Donc ça va falloir casser. Sharp. Ok, faut que je dors. Au secours! Laissez-moi entrer! Regardez, elle s'est foutue à l'abri. Il est costaud, lui, dis donc. Aïe. J'ai plus d'épée, évidemment. Hein.
va être long. Allez, allez. Regarde. Heavy legging. Ça fait quoi ça? Bon, par contre, dura 11, c'est pas terrible. Mais. Ça diminue un petit peu ma vitesse. Mais j'ai gagné un peu de longueur sur les voies et ça c'est pas mal. Parce que du coup, lui là, faut que je le décale un peu. Pour laisser quand même de la place ici, quoi, que le train puisse passer sans trop de soucis. Ouais, là, ça paraît raisonnable. Et encore, peut-être un bloc de plus, ça serait peut-être pas si pire. Donc, du coup, l'autre train. Il faut qu'il commence là. Ah, faut quoi. J'ai un bloc de marge là. On est bien là. Et du coup, ça donne quoi de ce côté? C'est bien. Je peux même décaler un petit peu. Donc, je vais le décaler un petit peu. De deux blocs. Comme ça, ça nous laisse. Ouais. C'est mieux. Là, on pourrait en stacker deux, en fait, deux serres. Et après, si je vais agrandir la station par là. On pourra stocker deux serres de plus. Donc celle-là pour l'instant. Donc il n'y a que ce schématique là qu'on va foutre dans le canon. Hop. Par contre celui-là on le garde pour plus tard. Donc il me faut un bouquin. Voir un petit peu le matériel qui manque. Et bah il nous faut pas mal de choses. Et tout ce qu'on va dire, il nous faut pas mal de choses. Ah, par contre, du coup, on le voit plus. C'est con. On le verra avec l'autre schématique, c'est pas grave. Donc, faut qu'on range peut-être les rails. Ordinateur, il en faut. Traîneau serveur, je suis pas sûr. Enlever le béton, on peut l'enlever hein. Je pense pas qu'il en faille. Répète-t-elle aussi. Il nous faut vraiment plus de coffres par ici.
Alors, sort conteneur. Voilà. Ça, il n'en faut pas. Les shafts, il en faut. Il n'en faut pas. Ça, il n'en faut pas. Il n'en faut pas. Il n'en faut pas. J'ai plus de place. Béton gris, je suis pas sûr qu'il en faille. Ça, je crois pas, mais on peut le laisser parce que de toute façon j'en aurais besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Des pipes, il en faut un petit peu. Concrete, on peut l'enlever. Metal Guilder, il en faut. Chute, il en faut. Hop. Bon, bah avec ça, va falloir qu'on fasse notre liste de courses et qu'on ramène tout. Sauf qu'il est 23h20, donc malheureusement, on va pas commencer la liste de courses maintenant. Par contre, ce qu'on pourrait faire, est-ce que oui, j'ai encore un petit peu de ballast sur moi. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, il est où le ballast? On prolonge un peu la zone de ballast que j'ai faite. Non, j'en ai plus de ballast. Mais si, j'en ai 38. Bon, ça va pas, on va pas aller très loin, mais là, faut qu'on prolonge ici. Bon, on va poser tout ce que j'ai sur moi, on va ramener un peu de ballast et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Je vais pas faire durer trop longtemps le stream parce que demain je me lève tôt et j'ai beaucoup de boulot. Mais par contre, dimanche on continuera avec grand plaisir.
Les rails, c'est ici. Hop, 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 hop. Ah, il faut que je me fasse une épée, en fait. Une épée. Qu'est-ce qu'on a en fait en enchantement là, fortune, efficacité, knockback. Ah bah attends, non j'ai cru. J'ai rien pour une épée. Hein. J'ai essayé T3. Pas, pas mal. J'ai une ou. Bon, écoutez, on va refaire une épée en style. Elle nous aura duré longtemps, écoutez. Écoutez. Après tout. Voilà. Donc j'avais besoin de reprendre un peu de ballast. Voilà. Au bout là, on mettra, vous savez, les trucs pour stopper les trains. Faudrait qu'on refasse un peu mieux quand même. Ah, j'ai posé tous mes rails. Faudrait qu'on refasse un peu mieux ces aiguillages là, c'est pas très joli. Bon allez, du coup, on va s'arrêter là-dessus les amis. J'espère que ce stream vous a plu, on a terminé notre wagon serre et on a commencé à planifier l'endroit où on va pouvoir le mettre. On s'est fait un petit toit pour protéger la construction de la neige et on va bientôt pouvoir commencer à préparer les matériaux pour le canon. Ça sera lors du prochain stream, donc vraiment on a quand même fait des trucs sympathiques ce soir. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Donc demain soir, on se retrouvera pour du Zelda Breath of the Wild. Notre petit stream hebdomadaire sur Zelda, ça fait extrêmement plaisir. Samedi, Astroterr, on fera un petit peu de code. Et la prochaine session sur Modécube pour faire donc le wagon serre pour de vrai en survie, ce sera à partir de dimanche. Voilà, vous savez tout.
Du coup, eh ben, y a Mapper qui est toujours sur le mode cube. Donc, on va raid Mapper. Voilà. Allez, du coup, je vous laisse en sa compagnie et je vous donne rendez-vous demain soir sur Zelda. Bonne nuit. Ciao, ciao, ciao.